Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on est dans un bourbier, c'est avec Yacine. J'espère aussi que vous allez bien, yo. Le seul jour où on choisit d'aller faire un aquapark de malade mental. Je vais arrêter de parler, juste mon crawler. Regardez. En mode, on est dans un aquapark de Guedin, mais il pleut. C'est vraiment. Il y a quand même des gens dans la piscine, je suis choqué. Donc normalement, il y a Omar et tout qui va arriver. On va tester toutes les activités qu'il y a à faire ici. Et c'est parti. Bon les gars, le boss est arrivé. En fait, lui, il est déjà venu. Il connaît quasiment tout. On va dehors après, le temps que la pluie est parte. Vous avez le toboggan nul. Et là-bas, les toboggans bien. Donc, on va où? Toboggan bien. Voilà. Regardez ce qu'on a en plus. La GoPro, bon les gars, Yacine est équipé de la GoPro avec Omar. Vas-y, je vous laisse faire votre premier essai. Ils vont aller là-dedans. Je suis quelqu'un, je déteste le froid. Oh là là, on a le droit de rien faire ou quoi? Oh les malades, vas-y, va. Mais il pleut à fond. Eh, hey, c'est des fous. Les seuls qui vont à la piscine alors qu'il pleut à fond. Il a dit, oh là, elle est bonne. Moi, je crois que je vais pas y aller, Younes. Vas-y, ouais, t'es un bonhomme ou pas? Il pleut à fond, frère. Il a dit, elle est bonne. S'il y a autant de personnes dedans, c'est qu'il y a une raison. Si c'est froid, je rentre pas. Il a dit, il va kiffer. Non, je rigole. Ah, c'est sûr, elle est chaude, les feuilles. Non, en vrai, elle est grave bien. Et comme par hasard, il fait chaud toute la semaine. Elle a commencé à devenir froide. Allez, regardez là-bas, vous avez quoi, Koh-Lanta? Vas-y, j'arrive là-bas. Là. Omar, je vais t'éclater. Laisse-moi rentrer tranquillement. Allez. On y va. Omar, fais-moi une promenade. Vas-y, j'arrive. Attends, j'arrive sur toi. Attends-moi, frère. On suit Omar, promenade. C'est où le Grand 8, les parcs d'attractions, c'est où? En fait, c'était là-bas. Ah bien. Ok, donc c'est ça. Hey, je te parie, je te bois à la course. Moi, je te tue. On fait... Ouais, mais dommage, j'aggrave des gens. Oh, genre, tu peux t'accrocher qu'avec tes bras? C'est vrai. Oh, ok. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Yacine, s'il te plaît, fais-nous honneur. Il nous fout la honte, là. Regarde ce qu'il fait. Allez, Omar, tombe pas. Il nous fout la honte, ton cousin, là. Non, regarde, il va réussir. Hein. Il est chaud. Il va tomber. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait, Tarzan? Ok. Tombe pas. Mais ouais, les frères, la piscine. C'est à la fin. Ok, c'est validé pour Omar. Je vais faire ça, je suis congelé, les gars. Bon, les gars, on va dans un toboggan. Ouh, voilà, il fait trop froid. Vive la France. En plus, on est en plein mois d'août. On a fait tous les parcs aquatiques, la Turquie, l'Espagne, le Portugal, et en France, il pleut à fond. C'est dinguerie. Et là, il y a une rivière qui avance, wesh. Regardez. T'as dit quoi? Non, ça marche pas, dommage. Attends, active ta GoPro, Yacine. Comment tu vas faire? Vas-y, non, mais Archef, je vais leur faire un tsunami. Et va leur faire un tsunami, ce fou. Oui? Ah, d'accord, pas de problème. À chaque fois qu'on va dans un toboggan, vous avez pas le droit de filmer. Pourquoi tu fous de nez quand t'es énervé? Je sais pas, pour que l'air passe mieux. Là, on a un parcours d'escalade. Tu passes en premier. Allez. Alors, est-ce qu'il va se recaler ou pas? Ouais, est-ce qu'il va se recaler ou pas? Maman, j'étais gros, je passais pas ici. Ah bon, t'étais gros, tu passais pas? Ouais. Oh, le petit, il s'accrochait, le petit. Oh non. Oh. Aïe. Omar, il est tombé. Hey, il est en... Hey, c'est grave chaud. Ah, c'est grave chaud, j'ai le seum, ouais. C'est grave dur. Putain. T'arrives là, t'arrives pas à t'accrocher. Ouais. Yaa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 
ça fait du bien. Oh là 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 là. Eh, hey, on sort Younes. Si tu devrais classer les parcs aquatiques, tu mettrais celui-là en combien? Celui-là, je le mettrais en dernier. Ah ouais? Parce que à chaque fois que tu veux faire un truc, c'est interdit, la caméra. Ouais, interdit. En fait, la France, ce qui est relou en France, c'est qu'il y a trop d'interdits. Caméra interdite, les trucs fermés, c'est ça, c'est grave relou. Alors qu'une GoPro sur la tête, en mode, c'est même pas dangereux. C'est fait exprès, c'est fait pour ça. J'en étais sûr. Oh là là, les direction gens. La graille, les gars. Il nous attend même pas. Omar, il fait un sandwich. Wow. Il fait la taille d'un humain, son sandwich. Le sandwich, tu l'as fait tout seul ou tu l'as acheté à la boulangerie? Oh, il l'a fait tout seul, wow. C'est sa mère, elle l'a fait. Fais voir la taille du sandwich. T'es mort, frère. Il y a quoi d'autre dedans? Il y a du sanglier, de la salade. Non, on va aller s'asseoir là-bas, il y a des magasins, il y a même hein, des escape games et tout. Regardez, on est parti à Franprix. Yassine, il croit, il est chez lui. Il a ramené son assiette, il a ramené ses couverts. Ça me détruit. Il lâche pas. Eh les gars, c'est l'heure de manger. Pour ma part, ce sera un mélange de poulet, un mélange de nouilles avec des cacahuètes. En dessert, pour ma part, on aura au moins un peu de bonheur, s'il vous plaît. Avec un beignet. Teste en direct. Oh, mais j'ai pas de fourchette. Attends, je crois que j'en ai. Oh la bosse. Ok. Ça part directement pour une dégustation. C'était la redoute. Ouais. Note de 1 à 10. 19 sur 1000. C'est wow. Excellent. Myriam numéro 2, là, on peut déjà plus de son sandwich. Non, en fait, ça m'a dégoûté. Pourquoi ça t'a dégoûté? Je sais pas. Est-ce que tu veux ça? Ça va pas te dégoûter. Un beignet au chocolat. On va voir comment il est. Ça vient de ta boulangerie. Wow. Tu vois, je t'ai dit, c'est Myriam numéro 2. Il mange que le sucre et les bons trucs, il mange pas. Mais le sucre aussi, il est toi-même, tu sais. À gauche, il y a un petit truc pour rattraper la journée. Il y a quoi? T'inquiète, rentre, juste rentre. Wow. Les gens. Ah là 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 là. Regardez. Il y a grave des trucs à gagner, il y a des pièces et tout. Ça va être une masterclass. Venez, on repère les jeux qu'il y a. L'électricienne PS5 à gagner. On repère avec Omar. Ah, il y a grave des trucs, c'est une masterclass. Oh, je t'ai dit, il y a des jeux à gagner, regardez. Il y a casque, il y a des jeux. Oh, c'est impeccable. Un jeu de patate. Ça, c'est que la bagarre. Hein. Là-bas, il y a quoi de tac. Ok, on suit Omar, les gars, on suit Omar. Ah, c'est la dame dans la caisse. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle se pèse. Oh, regarde, grave des ballons, c'est tombé sur elle. What? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je crois qu'elle doit trouver un truc. C'est grave bizarre. J'ai envie de faire une course de Mario Kart. Les gars, on commence par celui-là. Je commence. Tu veux commencer? Vas-y. Gagne quelque chose, hein. C'est parti. Vas-y, ok, let's go. En fait, ma famille doit gagner plein de pièces. Je comprends rien, il se passe quoi? Oh, il y a plein de tickets qui sortent. Prends, t'inquiète, attends. C'est quoi ce délire? Prends, peut-être, c'est un bug. Continue. Prenez tout, les mecs. Oh. Et vous savez, tu sais qu'avec les tickets, on peut aller ramener des cadeaux qui sont tout là-bas. Mais hein. Quoi avec ça, Yo? Prends, c'est un bug de la machine. Regardez tous les tickets qu'il a. Wow. Prends tout. Ça doit être un bug. Non, tire. Non, yes. Prends le dernier aussi si tu veux. Oh, la masterclass. La machine, elle a bugué. Tu vas faire quoi avec ça? Viens, on va là-bas prendre des cadeaux. Viens, on va prendre des cadeaux, c'est là-bas. Viens, on va prendre des cadeaux. Ils vont croire qu'on a. La machine elle a bugué. Eh, vous pensez que j'ai gagné une Play 5? J'aimerais bien. Oh. Ok, tous les tickets sont en train de rentrer. J'espère un bon truc. 100. 50, 60. Vas-y, appuie. On va attendre. Ah bien. Oh la dinguerie. Alors ça a marqué quoi? Allez, faut aller là-bas maintenant. On va chercher nos cadeaux. Ouais. Vas-y, mets le ticket. Le cadeau il arrive. Let's go. Une PS5, tu penses? Elle est où la PS5? Je sais pas, attends. Tu peux la rafraîchir comment? Je sais pas, ça va. Attends, là, ils disent attendez. Il y a un truc en bas? Non, ça, je crois, c'est juste un amuse-bouche. Quoi? Ma PS5? Regardez ce qu'il a gagné, wesh. Il a gagné une petite boule. Il a gagné une boule. En fait, c'était pas un. À ce qui paraît, les gars. Oui, je connais les Sadaka. À ce qui paraît, les gars, dans ce magasin, il y a des bangers. Sandy du bon village. Sucre. Bon, je prédis, les prix sont entre 6 et 700 euros. Ça, ouais, 700 euros. Tu vas faire une Sadaka, ça te dérange? Non, pas. Désolé. Une Sadaka, ça veut dire quoi? Une aumône. Ça veut dire que tu payes un truc. C'est pas là, l'entrée. Tu vois bien que c'est pas là. Il a tellement faim, il veut tellement des bonbons. C'est trop ce mec. Attendez, il y a quoi? Il a l'air d'avoir des trucs de ouf. Hein. C'est vrai. Oh, regarde, One Piece. Oh, il y a One Piece. Je t'ai dit, il y a des trucs de One Piece.
Olivier Tom, c'est lui le boss. Vous connaissez pas lui là? Vous avez rien connu dans votre vie? Lui? Au collège? Lui? Non, non, non. Je parle d'Olivier Tom. Au collège? Lui? Vas-y, vas-y. Non, c'est ouvert. C'est ouvert finalement. Normalement, il y a des trucs qu'on n'a pas ailleurs. Petite sucette, ok. Ça, on a dans toutes les boulangeries. Ah, ça, c'est quoi ça? Sneakers zéro sucre. Arrête de mentir. Sneakers zéro sucre, j'achète direct. Espèce de menteur. Il n'y a que du sucre dedans. Ça, ça a l'air bon, Hanuta. Je vais en prendre une. Arrête, tu crois que c'est de la merde? C'est pas de la merde. On a quoi? On a des lions brownies. C'est pas la barre chocolatée qu'il y avait dans Charlie la chocolaterie? Regardez, il y a des produits japonais ici. Ah. Trouve-moi un bon truc inédit. Regardez, les Oreos incroyables. Ah ouais, regardez. Il a eu sa petite attaille. J'ai vu ma petite attaille, les frères, elle est belle, elle est douce. Attends, au moins fais-nous voir ce que t'as pris là. Tu m'as fait payer 3,50€ pour cette potion. Ça, c'est des bulles. Je sais pas ce que c'est. C'est une sucette. Ça vient de quel dessin animé ça? Trois fois appuyer dessus. Mais tu sais, je crois en fait. Quoi? Je vais demander à la dame, j'arrive. Les japonais, ça rend toujours des trucs bizarres. Alors? La dame, elle m'a sorti les bras, il reste deux rocs, j'ai jamais vu ça. Elle a ouvert. Là, elle m'a dit, faut appuyer dessus, faut forcer un peu. Vas-y. Donne à Yacine. Oh. Bien, ouais. Tequila. Ça sentait grave bon. Ah, c'est gazeux. Tu vois, c'est dégueulasse. Voilà, c'est bon. C'est gazeux. Oh, j'ai la haine pour lui. Je vais entendre un truc à la presse grave doux. Ça doit lui agresser le palais. Wesh. Ouais, c'est la vie que je vais tomber. En vrai, c'est bon. Si un dirigeant du parc aquatique qui regarde le parc aquatique et qui se reconnaît pas, n'hésitez pas à nous inviter. On revient tout seul sans qu'il y ait personne et vous nous faites découvrir votre parc aquatique pour qu'on fasse un deuxième avis.